Good morgen, allez, Yidan et Lucius, aujourd'hui, le Nishmat, Shmuel, Ben Rimshon, Zalman, Janine Rud, Bat Fortune, Mazal Fridna, Yachaya, Bat Mazal Tov, Lucien, Bat Rina, Claude, Shlomo, Ben Shalom, et Olga, Bat Sol, Vanish. Si vous souhaitez aussi étudier une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles, nous étudions Masechet Gitin, Perek Zain, Mishnah Zain. Areize Giter, Imlo, Bati, Mikan, Vead, Shloshim, Yom, Vaya Olech, Miyehuda, Le Galil, Egia, L'Antipatras, וחזר, בטל תנאו. הרי זה גיטח אם לא בתי מכאן ועד 30 יום, והיו הולך מגליל ליהודה, והגיע לכפר אותנאי, וחזר, בטל תנאו. הרי זה גיטח אם לא בתי מכאן ועד 30 יום, והיו הולך למדינת הים, והגיע לעכו, וחזר, בטל תנאו. הרי זה גיטח כל זמן שעבור מכנגד פנייך 30 יום. היה הולך ובא, הולך ובא, הועיל ולא נתייחד עמה, הרי זה גט. משנה très simple, on continue avec les tnaïm. La difficulté de cette mishnah, c'est qu'elle est présentée de manière un peu bizarre, on comprend pas le tnaï jusqu'à qu'on avance plus loin dans la mishnah, ce que l'agma en fait elle va expliquer, mais d'abord on va traduire. Hare ze kiter, on continue bien évidemment avec le sujet de celui qui donne un get avec un tnaï. Peut-être je vous dis d'abord, je l'introduis tout de suite, on parle d'un homme que, en fait, il était indécis sur ce qu'il allait faire de sa vie. Vous savez, on est déjà exposé souvent le problème. Les femmes sont plus, restent plus dans leur coin, là où elles vivent, et voilà. Les hommes, ils sont plus, à l'époque, surtout, ils étaient plus nomades, ils partaient faire fortune par-ci, par-là. C'était d'ailleurs fréquent d'avoir des hommes qui avaient... Un homme, il peut être polygame, il peut pas avoir plusieurs femmes. Il peut avoir une femme dans cette ville, je travaille entre la France et Israël, j'ai une femme en Israël, une femme en France, et tout ça. Mais malgré tout, là maintenant, il a en prévision de partir, éventuellement changer de mode de vie. Donc dans le doute, il donne un get à sa femme, en lui disant, écoute, je ne sais pas encore ce que je vais décider de repartir ou pas. Peut-être que finalement, j'ai pas envie de... Elle imaginait à l'époque, je ne sais pas, quand ils ont fui le Maroc, ils devaient partir avec des bateaux pour partir... Donc en fait, il va donner un get à sa femme en lui disant, écoute, je ne sais pas encore où le bon vent va me pousser. Je te donne un guet, dans 30 jours, si je suis parvenu, ce sera un guet depuis tout de suite. Et si jamais je suis parti dans le Galil, ce sera aussi un guet depuis tout de suite. Vous avez compris? Comme ça, il donne un guet avec deux conditions, en fait. Avec deux, c'est pas qu'il faut remplir les deux conditions. Chacune des conditions est suffisante pour divorcer sa femme. Il lui donne un guet, écoute, il lui dit, écoute-moi, c'est ton guet depuis tout de suite, à condition que soit je passe 30 jours sans revenir, soit si je suis parti dans le Galil, même depuis tout de suite, ça y est, t'es divorcé. Et si toutefois, donc en fait, il faut que deux conditions ne soient pas remplies pour qu'elle ne soit pas divorcée, c'est soit c'est qu'il revienne dans les 30 jours, oui, et qu'il ne soit pas parti dans le Galil. D'accord, vous avez compris? Ouais. Je ne sais pas encore est-ce que je vais partir. Moi, je vais partir tenter ma chance. Je vais partir au port. Peut-être que je vais trouver un bateau qui va m'amener en Amérique, en Australie, en... Donc je ne vais pas comme ça en disant, écoute-moi, je prévois, a priori, de partir vivre dans le Galil. Dans le Galil, dans la Galilée. Je suis parti pour avoir vivre dans le Galil, donc je te donne le guet tout de suite, que tu restes plus, que tu puisses refaire ta vie toi aussi. Je te donne le guet. Si j'arrive dans le Galil, t'es divorcé. Si jamais je ne suis pas arrivé dans le Galil, mais que je ne suis pas revenu pendant 30 jours, parce que peut-être que finalement j'ai rencontré quelqu'un d'autre en passage qui m'a dit, non, plutôt viens vivre avec moi en Jordanie, ou peu importe, ouais. Au moins que tu sois libre, si je suis parvenu pendant les 30 jours aussi, c'est une autre possibilité pour libérer. Donc, maintenant la Michelle va m'enseigner sur ça. La halakha aussi, je vais la dire directement, comme ça on est tranquille. Si finalement il est parti, il n'est pas arrivé dans le Galil, il revient finalement dans les 30 jours, alors le get il est annulé. Vous allez me dire, c'est évident, c'est vrai, mais il y a deux petits ridouches. Il y a un premier ridouche d'abord, que le get il est annulé. Qu'à partir de maintenant, si finalement il décide dans les 10 derniers jours qui restent de dire, bon, allez, finalement je vais quand même repartir dans le Galil, c'est trop tard. Il s'est laissé une chance de partir quelque part et de revenir. Et s'il est parti et il est revenu finalement dans les 30 jours sans avoir touché la Galil, sans avoir atteint la Galil, le Galil, et bien dans ce cas-là, le get il est annulé, même si finalement il va redécider de repartir dans le Galil. Parce que comme ça on interprète sa condition, sa condition, c'était qu'il s'était laissé une seule chance de partir retenter. Sinon, il faut recommencer un get. D'accord? Ça, c'est un premier ridouche. Il va y avoir même un deuxième ridouche sur les frontières exactes d'Israël. On le verra ensuite. D'abord, je commence à traduire la première partie. Areze Giter, Imlo Bati Mikan Vachoshimium. Ce sera ton guet
si jamais je ne suis pas revenu dans les 30 jours. Vayaolech mi Yehuda le Galil, et aussi il partait de Yehuda en Galil. En fait, donc comme je vais l'expliquer, qu'il faut expliquer que ça faisait possible aussi partie des conditions que je ne peux pas partir dans le Galil. Si j'irai dans le Galil, tu es divorcé, et si au pire je ne suis pas parti dans le Galil, mais j'ai laissé passer 30 jours, tu es aussi divorcé. Igia l'antipatras vechazar. Et finalement, il est parti, il a commencé à quitter, donc on parle de quelqu'un. Il y avait, vous savez, le royaume de. Il y avait le Galil, il y avait la Judée, Yehuda. Il était en Yehuda, il était par exemple à Jérusalem. Et après, quand il a commencé à partir, il est arrivé jusqu'à la ville qu'ils appelaient Antipatras. Antipatras, et finalement il est revenu. Et bien dans ce cas, Antipatras, c'est pas encore le Galil, et il est pas encore le Galil, et il est revenu dans les 30 jours, et bien Batel Tnao, il a annulé le guet. Ok? Donc comme on a précisé aussi, c'est que le guet il est complètement maintenant annulé, il n'y a plus de guet du tout, même si finalement il va quand même partir dans le Galil. Parce qu'il s'était laissé juste depuis ce moment où je pars, soit je pars là-bas, soit je pars 30 jours. Mais si je suis revenu, finalement, ça s'annule. D'accord? Fin de la première partie. Maintenant, les deux parties de la Mishnah qui vont suivre, c'est exactement la même chose. Mais entre la première et la deuxième partie, on va découvrir une petite halakha par rapport aux frontières d'Israël. Areze giter imlo batim mikan va'tshloshim yom. Ce sera ton guet si je ne suis pas revenu dans les 30 jours. Va'yolach migalil Yehuda. Il partait du Galil jusqu'en Yehuda. Ouais, le Galil, imaginez qu'il habitait à, je ne sais pas moi, à Metula. Il a dit, je vais partir, donc je vais partir faire ma vie maintenant à Yehuda. Je te donne le guet si je suis parvenu dans les 30 jours. Si je suis arrivé à Yehuda aussi, c'est fini. Ce sera ton guet, il rentrera en action. Et bien, et après, il est arrivé où? Il est Kfarotnaï. Il est parti, il est arrivé jusqu'à Kfarotnaï. Hein, le village de Otnaï. D'accord? C'était un. C'est à la limite, en fait. On va expliquer après pourquoi. Vechazar, finalement, il est reparti revivre. Il est reparti à Metula. Il a dit, non, finalement, j'ai pas réussi à partir. Je suis revenu. Et bien, dans ce cas-là, même principe, Batel Tnao. Donc, en fait, si je reprends. On a la partie centre d'Israël, c'est le royaume de Yehuda. La partie du dessus, c'est le royaume de Galil. D'accord? Et il partait de là pour partir là-haut. Donc, la première partie, on a dit qu'il est parti de, disons, il habite à Hevron, c'est encore à Yehuda. Il est parti, il arrive jusqu'à Antipatras, et après il est revenu. Et la deuxième partie de la Mishnah, c'est qu'en fait, il venait de Metula, par exemple. Il est descendu, il est arrivé jusqu'à Kfarotnaï, il est revenu. Donc la Mishnah, en fait, elle est entre parenthèses, en fait. Elle est venue m'apprendre les limites du royaume de Judée et du royaume de Galilée. D'accord? Le Galil, il y avait des... Je sais pas exactement si c'était parce qu'il y avait des... Bon, à quelle époque exactement il y a eu des... Le pays était partagé comme ça. Donc, en tout cas, là, on a appris que Kfarotnaï, c'est la dernière limite de la Galilée. Et Antipatras, c'est la dernière limite de la Judée. Et donc, la précise, par contre, toute la zone entre les deux, c'est un safek, est-ce que c'est déjà la Galilée, ou c'est déjà la Yehuda, est-ce que c'est Yehuda ou c'est Galil, et dans ce cas-là, quel que soit le tenaï qu'il a dit, c'est d'atteindre là-bas, la femme elle est safek megourachet. D'accord? On continue avec la troisième partie de la Mishnah, c'est de nouveau la même idée, cette fois-ci on va partir de Chutz La'aretz, avec à présent quelqu'un qui veut partir dans le nord. Partir très loin, jusqu'en Medinat Hayam, jusqu'à les pays étrangers. Medinat Hayam, ça ne veut pas forcément dire prendre le bateau pour partir vers l'Europe. On peut même aussi partir en Medinat Hayam, même en allant au nord. Et il faut savoir, la ville limite, c'est Akko. Comment on appelle ça en français? Saint-Jean-d'Acre. Je ne sais pas d'où ils ont tiré un nom pareil. Ça date de l'époque, concrètement, où il y avait le royaume de France, le royaume de Jérusalem. C'est un royaume français à l'époque des croisés, il marche et même les Ram. C'était sous domination française à un moment, et j'imagine que c'est là-bas où ça devait être à tendance, où ils ont appelé Akko, avec ce nom aussi moche, Saint-Jean-d'Acre. D'accord? Concrètement, c'est Akko, il faut savoir, Akko, c'est la dernière limite d'Israël, mais elle est considérée moitié sud comme Israël, moitié nord comme Chutz La'aretz. Et donc la Mishnah va m'enseigner comme ça de nous, « Arezi kitachim lo bati mekan ve'ad shloshim yom. Ce sera ton guet si je ne suis pas revenu dans les 30 jours. Va'yaolech le Medinat Hayam. Et il était en train de partir en Medinat Hayam, parce que c'est ça la condition. Soit j'atteins l'extérieur, soit j'atteins le Chutz La'aretz, je sors du pays des frontières d'Israël, ou soit je passe 30 jours, en fait, c'est le même principe. Vigia le Akko, il est parti jusqu'à Akko, je précise, dans la partie sud de Akko. D'accord?
C'est plus précisé ici, mais c'est précisé, je l'ai lu en tout cas, je ne sais plus où. Et voilà, Igal et Akol, la Metret, Issof et Israël, c'est plus précisé ici. Bon. D'accord? Et donc il est arrivé jusqu'à Akko, mais dans la partie qui est encore Israël, et finalement il a rebroussé chemin, il est reparti voir sa femme. Ne sont pas passés les 30 jours, il arrive, le guet s'annule, et la reste sa femme. D'accord? Batel Tnao. Fin de la première partie qui était relativement longue, deuxième partie maintenant. Arezikiter Kolzman She'evor Mikeneget Panaich Shloshim Yom. Un mari qui dit, bon, il s'est disputé avec sa femme, il lui dit, écoute-moi, je te donne un guet maintenant, ce sera un guet, depuis le moment où je disparaîtrai de ta vue pendant 30 jours. Dès que tu vois que j'ai disparu pour le moment, il lui tire la tronche, il rentre plus chez elle, mais il se rencontre un petit peu par-ci, par-là, ils se voient, ils peuvent se parler même, ou pas, ils s'isolent pas, c'est pas encore un guet, mais dès que tu m'as vu que j'ai disparu pendant 30 jours, ça veut dire ça y est. Comme on dit en bon hébreu, hafarli. Ça m'a creusé. D'accord, atkan. Donc maintenant, il a dit, Arezekiter, Kolzman Shevor, Migenegat Panaïr Shmushim Yom. Ce sera ton guet quand j'aurai passé 30 jours sans te voir. Et pour le moment, Haya, Holer, Uba, Holer, Uba. Et pour le moment, il va, il vient, il part pendant 10 jours, il revient, il la revoit. Hein? Dans tous ces cas de figure, pour le moment, Oil, Vellon et Holer, Uba, Holer, Uba. Si finalement, il manque la petite phrase de dire, si finalement il a disparu et il n'est plus revenu pendant un grand jour, ou il veut l'onitiachadema, étant donné qu'il ne s'est pas isolé avec elle, alors Arezeguet, ce sera un bon guet en bonne due forme. Par contre, je déduis de là donc, que si jamais il s'est isolé avec sa femme, ce ne sera plus avec, ce sera plus un guet, parce que ça signifiera que s'ils se sont isolés, c'est que finalement, ils ont été en pius. Donc il a donné le guet dans la colère, parce qu'il a dit, ça y est, j'en ai assez de toi, on va voir ce que je décide ou pas, pendant on prend ton guet, comme ça, si j'ai plus envie de revenir, je pars, je disparais, et ce sera ton guet. Et si finalement, ils se sont retrouvés, ils ont été mit paisim, donc il a annulé le guet. Donc là, il faut dire, mais si concrètement, on sait qu'ils ne se sont pas isolés, ou encore mieux que ça, comme c'est précisé, on ne va pas trop allonger sur l'histoire, mais le maintenant il rapporte, il a posé aussi comme condition que tant que tu prétendras que je ne me suis pas isolé, tu seras cru, ce sera aussi un bon guet, d'accord? Donc ce sera un bon guet, et voilà, et elle sera divorcée, ok? C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tuv Selah.